touristes nationaux et internationaux, riverains, travailleurs et hédonistes, individus et groupes, personnalités et particuliers, de jour comme de nuit, Yaoundé la Belle regorge de coins recommandables pour tous les besoins. De l'hébergement à la restauration, en passant par la détente et les loisirs, il y a là matière à découvrir. Découvrons sans attendre le most de la capitale. Commençons cette visite en plein cœur de la capitale Yaoundé, vers un lieu chargé d'histoire et qui est l'un des principaux sites consacrés au tourisme culturel et de mémoire. Bienvenue au Musée national du Cameroun. Lieu de collecte des artefacts culturels du Triangle national, c'est aussi un site de rencontres culturelles en tout genre. Mais outre sa fonction actuelle, les murs de notre musée national ont accueilli en son sein Son Excellence Amadou Ahidjo, de regrettée mémoire, ainsi que son épouse. Car oui, dans cette villa, il était le premier palais présidentiel de la République du Cameroun. Il a, à cet effet, vu la ratification de plusieurs conventions et lois régissant la vie des millions de Camerounais. C'était une page de l'histoire du Cameroun, parmi tant d'autres, que ce musée continue de raconter aujourd'hui. Afrique en miniature, le Cameroun n'a pas fini de montrer la richesse, la diversité et la beauté qu'il renferme. Des histoires et des expériences, la nature nous en donne à profusion et au quotidien. Chaque animal, chaque arbre, chaque son, chaque composante produite en ces lieux égaye les visiteurs de fascination par des idées, par des récits, par des rencontres ou par des paysages retraçant la richesse culturelle dont est doté le Cameroun. Faisons la découverte de quelques-uns de ces sites en commençant le trajet dans la localité d'Ekali 2, située en Balmayo, dans la Mefou, précisément au Parc national de la Mefou. On y trouve une des nombreuses réserves animalières que compte le Cameroun. Ici, on rencontre tout type de personnes toute la journée, mais on y rencontre surtout diverses espèces de primates que l'on dénombre par milliers. Cette réserve est équipée de facilités visant à préserver la vie et agrémenter le quotidien de ses principaux occupants. Mais tout y est également mis en œuvre pour sauvegarder l'intégrité naturelle qui y abonde, tout en la sublimant pour le plus grand plaisir des yeux des visiteurs. Écologie au service de l'économie. C'est le principe de l'écotourisme. Les promoteurs du site écotouristique des Bogo, à 65 km de Yaoundé, ont au fait de conjuguer ces deux écosystèmes pour rentabiliser une accommodation des riches espaces naturels que propose cette partie du Cameroun. Escortés par 17 guides touristiques, les visiteurs auront la possibilité de randonner et rencontrer sur terre des biches, des gazelles, des tortues, des renards, des chimpanzés ou encore des gorilles, ou de sillonner le paysage en pirogue en arpentant le confluent de rivières bondé de plus de 70 espèces de vie maritime, sans oublier l'une des attractions phares du site, le gros arbre ou encore, selon les riverains, l'arbre millénaire. On l'atteint et l'on en revient par une intrépide traversée en pirogue. Dans les chambres en bungalow, on peut être bercé et réveillé au son primitif de la nature, des chants et des cris de différents animaux qui peuplent la réserve. Ici, des produits frais sont proposés dans un restaurant dont la spécialité est la grillade de poissons et de poulets assortie de montagnes de fritures. De quoi rassasier un régiment. Du calme, de la nature, de l'air pur. Faites-en le plein au site écotouristique des Bogo. Un électrochoc est une pulsion qui peut s'avérer vitale pour un patient. De la même façon, certaines activités économiques sont impulsées par diverses volontés pour donner vie et dynamisme dans des secteurs. C'est le cas d'EcoPark, une initiative née du comice agropastoral d'Ebolova avec une vision pluridimensionnelle pour lutter efficacement contre le chômage en zone périphérique. Située à l'entrée de la ville de Yaoundé, sur une surface exploitable de plus de 50 hectares, s'étend le site éclectique et écotouristique EcoPark, un concept de tourisme durable, où le visiteur dispose d'une palette globale d'activités tout en étant au contact continu de la nature.
une aquacole parsemée de plans d'eau perceptibles et accueillants, des aires de jeu et des boutiques souvenirs pour les petits visiteurs, une restauration multiculturelle pour satisfaire les visiteurs d'ici et d'ailleurs, resort hôtelier, motel et bungalow, salles cérémonielles modulables et en perspective, des complexes sportifs pour parfaire le package. C'est le cœur serré que s'éloigne l'œil bienheureux qui a consommé la beauté d'Ecoparc. Retour sur la capitale. L'effort d'hospitalité des établissements d'hébergement de cette revue est remarquable. Commençons cette visite au quartier Fouda en vous souhaitant la bienvenue à l'Hôtel Jouvence International. Ouvert plus récemment, comparé aux autres établissements de cette revue, il n'en demeure pas moins moderne et conforme aux standards grand luxe international. Ce resort de 3 étoiles est équipé d'une soixantaine de chambres sécurisées par relevé magnétique, grand confort, single et duo, ainsi que des suites toutes équipées de mini-bars, de coffres, de sèche-cheveux pour les besoins des dames et de téléviseurs pour les besoins récréatifs d'intérieur. Soigneusement choisi, le mobilier diffère d'un étage à l'autre pour permettre aux clients de redécouvrir l'établissement à chaque visite. En attendant l'ouverture de la salle de sport et très prochainement d'un espace piscine avec terrasse, vous trouverez certainement votre compte dans ces 2 bars et son restaurant. L'idéal pour un confort et une sécurité pluridimensionnelle. Longtemps cherché, point n'en faut. Mais notre halte nous conduit aux confins du quartier Golf, dans le mythique hôtel 4 étoiles Montfébé, entouré de l'air frais de la nature verdoyante, du parcours Vita et du très sélect club de golf de Yaoundé, le Montfébé n'a pourtant pas de quoi pâlir avec le turquoise cristallin de sa piscine, ses cours de tennis à ciel ouvert, son sauna désoxifiant, sa discothèque, son confort sobre mais non moins chic dans ses chambres entrée de gamme, ses vues imprenables sur la ville et ses séjours inclus dans ses suites et appartements. Room service, accès Wi-Fi, coffee bar et mini bar à gogo, tout y est pour décontracter l'ambiance et vous permettre de passer un moment agréable. Changement de décor, des hauteurs vertes à la mouvance du centre-ville. Du haut de ses 4 étoiles, le Jogga Palace possède un cadre ultra sécurisé qui accueille diverses personnes et personnalités dans des espaces confortables, idéal pour des moments paisibles dans ces chambres protégées par cartes à relevé magnétique. Modulable à vos besoins pour accueillir des réceptions et des séminaires dans un espace avec accès à Internet, une cuisine gastronomique alléchante aussi bien pour les yeux que pour le palais. Vous pourrez manger dans son restaurant, bouger dans des espaces prévus à cet effet avec des activités telles que la natation ou le fitness et vous détendre dans le spa. Vous y serez avantagé par, également à proximité, bon nombre d'établissements et de boîtes de nuit. Vous êtes aux premières loges pour assister à des shows enflammées dans une des discothèques chics du coin. Faisons notre dernière halte pour les établissements d'hébergement en plein cœur de la ville de Yaoundé. La ville compte en effet de nombreux hôtels, mais difficile de ne pas remarquer l'emblématique bâtisse des resorts Hilton, clôturant la rue du boulevard du 20 mai. Il est presque comme un centre névralgique d'où services administratifs et activités de loisirs sont accessibles. Cet établissement 5 étoiles conjugue le luxe dès votre arrivée avec son parking, la sécurité à l'accueil, des suites somptueuses pour le moins et présidentielles pour le plus. Le Hilton pense à tout le monde dans sa politique commerciale en rendant l'établissement facile d'accès aux personnes à mobilité réduite et offre des vues panoramiques pour des virées conviviales, seules, entre amis ou en famille. Après l'hébergement, passons à un élément incontournable de la vie citadine, la restauration gastronomique. Sans tarder, entrons dans le premier restaurant, le Sainte-Anastasie, situé au cœur de l'établissement qui porte son nom, le Bois Sainte-Anastasie. C'est à l'entrée de ce parc public, en plein centre-ville de Yaoundé, que nous découvrons cet établissement exotique 3 fourchettes, proposant des spécialités de tout type, partant de la cuisine occidentale
aux divers mets oléagineux traduisant la richesse de la culture camerounaise et du monde. Il y est inclus plusieurs formules pour l'alimentation, mais aussi pour les rafraîchissements. On y trouve une option à la carte ou à volonté, adaptable à la bourse de chacun. C'est sans l'ombre d'un doute l'un des endroits accueillants à visiter 7 jours sur 7 jusqu'à 21h. Pour emprunter à une expression commune, nous dirons que la cuisine du palais, c'est le palais des cuisines. Si c'est vrai, alors le restaurant Saveur du Monde fait bien des envieux depuis le palais des congrès de Yaoundé. Comme son nom l'indique, le souhait de son promoteur est de fournir aux clients des spécialités d'ici et d'ailleurs, avec un service sur mesure disponible sur site, avec des prix grand public abordables, un service personnalisé sur le site comme ici avec la deuxième phase de la Vision 2035, organisée par les sénateurs le 29 mars dernier. Mais il est également possible de profiter de ces services à l'endroit de votre choix, car il faut parfois savoir partir vers le monde pour distiller des saveurs. Et c'est pourquoi notre prochaine escale nous conduit vers des fruits de Penja. Pas dans le Mungo, dans la région du littoral, mais toujours au centre, précisément en face des Néos, au quartier Essos, au lieu dit Penjaland. Penjaland est une entreprise de fraîche découpe faisant la promotion de la consommation de fruits et légumes bio sur assiettes en verre et en bouteille. Avec une unité de découpe sur son site, à Penjaland, les intrants sont directement découpés et transformés pour le plus grand plaisir des clients. On y fait également la promotion d'autres denrées fraîches du Cameroun, grillades sur charbon, escargots au poivre de Penja, les meilleurs bouillons avec l'illustre recette du bouillon de Penja dont les clients peuvent profiter sur les terrasses de Penjaland, dans leur lieu de service et même dans leur jardin avec de superbes grillades arrosées de sangria, de jus naturel et de cocktails fruités maison. Alors rendez-vous tous les jours de 11h à 23h50. 23h50, heure de fermeture pour certains et pour d'autres, heure d'envoi. Dans la capitale, la nuit brille de mille feux avec ces établissements de loisirs de catégorie 1 qui vous ouvrent leurs portes. Ils nous égayent et nous font voyager sans préavis d'une culture à l'autre à travers des sonorités musicales entraînantes et populaires. À la recherche de la chaleur humaine au milieu de la fraîcheur nocturne, il est possible de faire le plein de sensations, seul ou avec des amis, dans un coin chaud. Situé au quartier Mendon, le cadre sécurisé de l'Olympia accueille la clientèle au son des platines mixées par les maîtres DJ. L'Olympia s'occupe du reste. La nuit ne fait que commencer. Et à quelques lieues de là, dans l'arrondissement de Yaoundé 1, en zone résidentielle du quartier Bastos, se tient une autre assise dans un établissement snack bar de catégorie 1, le Queen's Club. Ambiance fun, ambiance jeune, ambiance à la camerounaise. Le décor est accueillant, la musique monte en décibels, les sonorités surfent d'un style enivrant à l'autre, les tables deviennent de plus en plus peuplées, et bien sûr, ici, il y a du beau monde. On souhaiterait presque que ce mélange ne s'arrête jamais. C'est pourquoi au Queen's Club, l'expérience est renouvelée chaque soir. S'il est un point que cet endroit a en commun avec ses prédécesseurs, c'est bel et bien l'ambiance. L'ambiance, pour la vivre, il faut y être. Où? Quand? La réponse? Au Châtel, tous les jours. Le charme de cet établissement de catégorie 1 commence dès l'extérieur, depuis ses terrasses, d'où l'on peut pressentir l'intensité euphorique des espaces intérieurs qui servent de cabaret ou de boîte de nuit. Il n'y a pas que cette intensité qu'on ressent. On sent aussi les odeurs alléchantes de grillades et de bouillons qui sont ouverts au public de 18h à 6h du matin. Foulez les traces des people qui y sont entrés. Le Châtel est aussi doté d'un espace parking et le tout est en permanence sous vidéosurveillance pour assurer la sécurité optimale des châteliers. Venez-y nombreux, nous vous y attendons.